Bonjour, alors je fais une petite vidéo, ça fait 10 minutes que je me balade en forêt et j'ai eu 4 mots. Le premier c'était les champignons, voilà c'est mignon des champignons, mais ça me vient appuyer sur le champignon. Ou bien un champignon, on l'arrache jamais, on le coupe parce qu'il est, il sera toujours présent en terre. Comme si la terre disait, vous êtes toujours présent en moi, même si on vous coupe, on essaie de vous couper de moi, vous serez toujours en moi et moi en vous. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Le deuxième mot, c'est la rose. Et en plus, au même moment, j'ai vu une rose. Donc, c'est chouette. Elle était dans l'eau. Donc, dans le lac, l'eau. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a besoin d'eau, de boire de l'eau. Et ça me dit aussi, ayez des roses ou des fleurs, surtout la rose. L'odeur de la rose, ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai toujours des roses chez moi. Moi, c'est toujours un bouquet de roses parce que je sens que leur présence me font du bien. Leur énergie me font du bien. L'énergie des roses. Alors, voilà. Elles étaient purifiées par l'eau. C'est chouette, hein? Le deuxième mois, c'était le feu. Le feu renaît de ses cendres, il fait froid, donc on a besoin de se chauffer. Voilà. Et le troisième mot, c'était la mer. La mer, l'océan, ou la mer terre, qui se rapporte aux champignons, qu'elle est toujours en nous, et qu'il faut lui faire confiance, il faut l'aimer. Lui faire des cadeaux. Voilà, c'était juste les mots qui me sont venus aujourd'hui. Donc, j'étais aussi poussée à faire une vidéo. Ici, je suis bien. Il y a un peu de vent. Voilà. Donc, c'était des mots que j'avais envie de partager. Ce qui me venait. Ça me parlait de faire cette vidéo maintenant. Après. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous parler, peut-être pas. Prenez ce que vous sentez en vous, ce qui vous paraît juste. Après, voilà, faites comme vous le sentez. Donc moi je me balade et je suis bien. Alors, moi... Je vous embrasse, je vous souhaite tout de bon et à bientôt.